c'est le tort et on se retrouve dans le trou de Minecraft. Dans notre trou de notre petite série où voilà, on s'était caché rapidement pour pouvoir faire fondre tous nos petits minerais. Donc on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Je l'enregistre après le numéro 2, donc j'ai pas pu tenir en compte de vos commentaires. Alors j'ai fait fondre tout ça, on peut voir que tout de suite j'ai pas mal de petites choses. Et on va tout de suite se faire une pioche en redstone. Donc pour faire une pioche en redstone, il nous faut tout simplement 3 redstone ingots. Et donc il nous faut 3 iron. Par contre, je sais pas si je vais avoir assez de... Ah oui, effectivement, ça va être compliqué. Non, j'ai assez, mais pour faire les autres petites choses, ça va être compliqué. Oui. Hop, j'en ai oublié un. Voilà, ma faute. Et maintenant, on va se faire donc la petite pioche. Voilà, on a notre superbe pioche en redstone. On va également se faire une épée, donc il nous en faut deux pour une épée. Oula. Ok, ça va pas être possible. Donc on va garder tout ça pour pas que ça remplisse trop notre inventaire. Et je voulais quand même me faire juste alors une petite pioche en fer au cas où. Une chose que je vous ai pas montré avec cette pioche en redstone, si je fais clic droit sur un cube, ça va se transformer en un bloc de redstone. Ce téléphone commence clairement à m'énerver. Donc on va juste... Je vais juste mettre en... ne pas déranger. Ne pas déranger. Voilà. Donc, parce que si je fais clic droit, donc regardez, je vais vous montrer. Ça va me gaspiller beaucoup ma pioche, hein, énormément. Mais regardez, clic droit, bloc de redstone. J'ai plus qu'à le prendre. Et là, le bloc de redstone. Voilà. Il me sert à rien de très intéressant, mais il me sert à faire des redstone bombes qui comment dire, la puissance de la bombe est juste énorme, hein. Ça, vous allez voir par la suite, c'est juste énorme. Donc voilà, j'ai gaspillé la moitié de ma pioche pour rien. Il faudrait que je la répare. Bon bref, c'est pas grave, moi je ferai ça après, de toute façon comme ça vous l'avez vu, vous pouvez pas dire que je vous montre pas les choses. Non, mais non. Alors, oula, le son est super fort. Il était déjà comme ça avant. J'ai pas dû remarquer en parlant tout à l'heure, j'ai pas dû remarquer. Bon là, ok que je parle, mais... on va utiliser la pioche en redstone uniquement pour les lingots. Si on trouverait de la redstone ici, ce serait juste énorme. Comment ça prend vite ça? Et la cobble? Ah oui. Bon, ça prend à peu près comme une pioche en fer, mais c'est en redstone. D'ailleurs, 4, 4. Ouais. C'est pas mal du tout ces petits mods. On commence à utiliser tous les modes. Bon, le mode Resident Evil, ça, il est obligé d'être utilisé, hein, avec tous ces zombies, ces affreux zombies. Donc voilà. Dans l'épisode précédent, on n'a quand même pas vu un seul mob, hein. Et là, enfin, un seul mob dans les mines. Et puis là, j'ai l'impression que c'est pareil, hein. Il n'y a pas un mob dans les mines. On avait vu, si on s'était fait surprendre par un zombie à l'épisode précédent, je crois. Je suis plus sûr. Bon, là, je remonte, mais... Ah, intéressant. Oula, je mets une petite torche pour vous. Ensuite, on va se faire un petit chemin. Là, tu t'es.
Ah, squelette. Squelette, squelette. D'ailleurs, il y a de l'or. Il doit être par là, le squelette. Bon, bah, quoi qu'il en soit, je vais prendre ça. Voilà. Là, je vais prendre ça aussi. Elle est quand même énorme, la pioche en redstone. Elle est énorme. Bon, elle coûte cher, hein. Elle coûte quand même un peu cher, mais... Mais voilà, il suffit juste de trouver de la redstone, et puis c'est bon. Le fer, non plus, c'est pas quelque chose d'incroyable. Bon, nous, on était un petit peu dans le caca. Parce qu'on avait peu de fer. Mais là, ça commence un petit peu à aller. Par contre, elle se gaspille vachement vite, hein, j'ai l'impression. Je sais pas où il est le squelette, ça me perturbe. Là, je vais utiliser cette pioche pour pas trop niquer l'autre. Je pense que le squelette est plus bas, hein, si on peut aller plus bas. Ah oui, effectivement. Ah, attendez, j'ai déjà été là. J'ai déjà été là, je crois. Oh, le bruit. J'espère que le son est nickel. Moi, je suis toujours inquiet, c'est par rapport au son. L'image, je sais qu'elle sera nickel, ça, il n'y a pas de... J'ai jamais eu de problème, mais le son... Déjà, pour l'épisode 1, le son était dégueu. Sur mon PC, il était bien. Mais dès que ça a upload, je sais pas, ça a du mal faire l'upload ou quelque chose, le son était dégueulasse. Malheureusement, j'ai pas pu la re-upload. J'aurais pu la télécharger pour la réupload parce que moi quand je mets une vidéo en ligne souvent je la supprime. Juste après pour libérer l'espace sur le disque dur externe que je dispose. Donc voilà, du coup j'ai un petit peu effacé l'épisode. Et ça m'était un petit peu dans la merde. D'accord, l'utilité. C'est très utile de venir en bas. Hein. Bon. J'ai vu de l'émeraude juste là-bas. Peut-être que le squelette est en haut en fait, parce que je l'ai pas vu en bas. Petite torche pour vous. Je vais la poser un petit peu plus loin. Mais attendez, on va déjà un peu torcher. Putain, elle m'a fait peur la chauve-souris, Batman, salope. Quand j'étais petit, Batman c'était un peu mon héros préféré. Oui, bah il y avait, je sais plus comment ça s'appelait vraiment, le Batman il y a quelques années, il y a bien plus de 10 ans en fait. Je devais avoir 5, 6, c'est plus de 10 ans, ouais, largement. Bref, je devais avoir 6, 7, 8, 9 ans peut-être. Non, 9, non, non. Bref, 5, 6 ou 7, pas plus. Donc ça fait 10 ans ou plus. Il y avait une série que d'ailleurs j'ai revue il y a peu de temps. Je suis content de voir que ça continue à marcher, ces petits trucs. Bon, c'est un truc. C'est. Batman, c'est quelque chose qui marchera tout le temps tant qu'ils font pas du n'importe quoi avec les. Avec les méchants, puis Batman, tant qu'il commence pas à être cheaté, quoi. Parce que là, voilà, quoi. Batman, ce qui fait Batman être Batman, c'est tous ses gadgets, et puis comment il les utilise, c'est un peu le Rambo moderne, quoi. Enfin, quand même pas Rambo, mais voilà. Il est balèze, quoi. Bon, c'est du dessin animé. D'ailleurs le film je les ai pas tous vus, mais un que j'ai vu il était juste énorme. Celui que j'ai vu c'est un où vers la fin ils sont dans un hôpital, j'ai l'impression, à cause d'une bombe. Je crois que si je me souviens bien c'était un hôpital. Et puis je crois qu'ils sautent ou un truc du style, la bombe elle a pété, du coup ils ont dû se barrer. Bref, c'était un petit peu le merdier. Mais je suis plus sûr là. Je suis plus sûr du tout.
Mais je crois que c'était à peu près ça. On va pas reprendre le charbon, c'est inutile. Par contre, là, on a beaucoup de redstone. Bon, pour retourner sur Batman, c'était une série. Quand j'étais plus petit, que je regardais. Bon, j'ai connu Batman, vraiment Batman, pur Batman, avec les vieux. Du design avec tous ces petits trucs. Maintenant c'est vache, ça a quand même été vachement modifié, mais ça reste toujours assez stylé. Mais j'ai connu, c'était un où je crois qu'il incarnait un jeune qui était dans un lycée, bref, qui était en cours, ouais. Et puis il s'habillait, j'allais dire Batman tout en noir, mais Batman voilà, mais il avait pas de cape, il était tout en noir avec le logo de Batman sur le torse. Et il avait pas de cap, ce téléphone commence à me gonfler. Parce que je suis en train de parler, je l'ai jeté sur le pieu. Et du coup ça m'a coupé. Oh, je sais plus de quoi je parlais. Ah d'ailleurs je suis full. Ouais, c'était en. C'était un jeune qui incarnait Batman, mais dans un lycée, d'accord. Vivement la 1.7 pour qu'on puisse régler les sons, quoi, parce que là c'est juste horrible. Regardez-moi ce son, si je baisse plus, vous allez pas entendre un petit peu du game, vous allez rien entendre du gameplay. Et il m'a vraiment gangbang, hein. Il m'a non pas gangbang, mais il m'a défoncé. Suis désolé si vous avez pas pu vraiment voir. Mais bon, reparlons de Batman, hein. La routine, hein. Moi, je vois des zombies, je les tue. C'est la routine, hein, c'était un jeune, c'était peut-être un ado, un peu plus. Ou un très très jeune adulte, c'est-à-dire 18 ans ou 10, non mais je crois qu'il avait 19 ans, ouais, donc un jeune adulte. Et puis j'avais bien accroché avec ce style là il était, enfin il était jeune, il était machin machin, mais je sais pas pourquoi j'avais bien accroché avec ce style là de Batman, tout simplement, le jeune. Bon, celui qui fait vraiment le plus vieux, j'ai toujours accroché. Batman, c'est toujours un petit truc que j'ai aimé, mais j'ai plus aimé Batman que Superman quand même, parce que Superman c'est bien, mais ça sort un peu beaucoup de la réalité. Bon, dans la vraie vie, vous allez jamais voir un mec habillé tout en noir. Qui se balade dans les rues et quand il voit un mec, il le défonce avec des explosifs et tout ça. Ça va jamais arriver, mais voilà. Là, je suis full. J'ai une flèche à la con. Dans ce bloc, il m'occupe beaucoup d'espace. Je peux faire fondre tout ça pour gagner un peu d'espace. On commence à avoir beaucoup de redstone, le gravier je m'en fous, ça je m'en fous, ça aussi. Ce qui me libère encore de l'espace. Voilà. Je fuis du lapis. Mais voilà, non, mais c'était. Je trouve que c'était quand même assez stylé. Bon, maintenant je trouve que les dessins animés de maintenant, si je compare à avant. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Bon, il y en a qui sont cool, il y en a qui sont quand même assez stylés. Hein. Là, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, je passe pas non plus mes journées en train de regarder des dessins animés. Je regarde peut-être une fois. Enfin, toutes les 2 semaines. Hein, vite fait un épisode. Ou je sais pas quoi. Mais des fois, de zapper ou quelque chose, je laisse. Mais je regarde pas en entier, quoi. Je laisse pour voir ce que c'est. Mais je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, je trouve que c'est trop, il y a trop de dessins animés avec des
des super-héros, je trouve c'est normal qu'il y en ait, mais je trouve que c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Parce que les mecs, avant tu t'avais Superman, t'avais Batman, que c'était un petit télé. Et c'est encore les classiques, mais... Mais non, je trouve que les noms, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée des noms des trucs. Mais il y en a qui, dès qu'ils sortent trop de l'ordinaire... Enfin, pas de l'ordinaire, c'est pas le bon mot, mais qui sortent trop du concept et qui se ressemble trop, en fait. Je trouve juste... C'est quelque chose que je trouve vachement dommage, parce que c'est quand même des grosses entreprises qui pourraient fermer des choses de fou, quoi. Des dessins animés de malade. Mais ils se copient, ils s'entre-sucent, donc c'est un petit peu dommage, mais bref, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais... Moi je regarde plus trop, donc limite je m'en fous, mais je voulais juste vous donner un peu mon avis, puis c'est tombé sur... Je sais même plus pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler de ça à cause de Batman, mais pourquoi est-ce que j'ai dit Batman, je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Attendez, je suis en train de ramasser ça, mais est-ce que je suis pas fou? Ah non, non. On est à la couche 16, à part ça on remonte gentiment hein. Et on s'est enculé gentiment, pardon, on se fait entuber gentiment. Oui, entuber c'est plus gentil qu'encul, voilà. Mais si vous voulez, si vous êtes avec une fille, vous allez pas dire viens on va. Bref, si vous êtes avec une fille, parlez pas de... Si vous voulez parler de ça, ne parlez pas. Dites pas entuber au lieu d'enculer. Ça passera pas ça. Hola, hola. J'ai pas kiffé. J'ai pas aimé. J'ai pas kiffé. On reprend ça. La redstone, je pense qu'on en a. Oui, on en a pas mal. Ok, creeper. J'ai pas pu prendre mon arme. La gunpowder, c'est toujours ça. Oh putain. Oh putain. Salut. Au revoir. Oh, fils, c'est bon. Peut-être que j'arrête un petit peu à t'insulter tout le temps parce que ça doit être relou, voilà, je pense. Mais bref, voilà. Puis je trouve que ça fait pas, c'est pas très très bien. C'est pas bien d'insulter, vous voyez. Voyez. Ah, South Park, ça, on peut pas, non, ça tu peux pas comparer, c'est South Park. Bon, on va se laisser là, ça fait 20 minutes, un peu plus de 20 minutes là, donc on va s'arrêter là, je vais essayer de remonter à la surface, mais hors vidéo, parce que là on a quand même pas mal de petites choses, peu de diamants, du fer là, on a 74. C'est-à-dire 74 lingots pas encore cuits, plus les 17 qui sont là. On a également 5 steel ore qui ne sont pas cuits, 14 rubis, 16 fer plus les 4 qui sont là, ce qui nous fait une vingtaine. Enfin, ce qui nous fait 20. Et le prochain épisode, je pense qu'on va déjà un petit peu chercher l'endroit pour se poser, parce que comme ça on va pouvoir se vider et organiser un petit peu les petites choses et se dire bon bah faut aller chercher ça ou ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, moi je vais remonter gentiment, vous aura plu, n'oubliez pas de mettre encore une fois un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors vous voyez cette vidéo, on a je pense qu'on a déjà largement dépassé les 3700 parce que depuis 5-6 jours là ça monte pas mal du tout, même pas mal du tout, donc voilà, je pense organiser un live, mais attendez, quand vous allez voir ça, non, oubliez ce que je viens de dire du live, quand vous allez voir ça, le live sera déjà fait, donc oubliez, tu n'as rien entendu, au revoir, alors bon, bah prenez soin de vous, sortez couverts, et bye bye tout le monde.